nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 septembre. Nous sommes au 23e dimanche du temps de l'Église. Devenir disciple en préférant Jésus à tout ce qui nous appartient. Devenir disciple, c'est toute notre vie chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus. Mais Jésus dit aujourd'hui la façon dont nous devons devenir disciple, c'est-à-dire le mettre, lui, à la première place, avant tout, avant nous-mêmes, avant nos frères et sœurs, avant nos parents, avant notre travail, avant nos enfants. Préférer Jésus aux autres, aux nôtres, voilà donc une demande forte et bien souvent difficile à réaliser. Parce que beaucoup de fois, les parents passent avant, les enfants passent avant, le travail passe avant, etc. Mais la vie chrétienne authentique passe donc par ce choix de Jésus, ce choix authentique de Jésus qui prend la première place dans notre vie, de telle sorte qu'on puisse être même capable d'aller contre ses parents, d'aller contre sa famille quand la position de la famille va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais bien souvent, malheureusement, il arrive que des fois, nos priorités sont celles d'ici-bas. Nos priorités sont celles de nos familles ou celles de nous-mêmes, c'est-à-dire notre travail, ça passe avant. L'argent, la famille, à tel point qu'on peut négliger le service de Dieu au profit de nos propres occupations. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à s'engager dans l'Église. Beaucoup se disent « bon, je n'ai pas le temps ». C'est souvent paradoxal. Beaucoup de jeunes, pendant qu'ils sont étudiants, et après quand ils commencent à chercher le travail, ils passent le temps à l'Église à demander, en étant bien engagés. Mais dès qu'ils trouvent le travail, c'est fini, ils disparaissent. Et parce que le travail passe avant tout. Mais on oublie qu'on peut bien travailler, on peut être très professionnel tout en servant le Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à donner la place qu'il faut au Seigneur. C'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne la famille, c'est lui qui donne l'argent, les biens que nous avons, etc. Donc si nous oublions celui qui donne en nous attachant à ce que nous avons reçu, à ce qu'on nous a donné, en oubliant d'où ces choses nous viennent, alors je crois que nous ne prenons pas la bonne attitude. Jésus ne nous demande pas, aucunement, de régner nos familles. Quand il dit de le préférer lui à nos frères et sœurs, etc., il ne demande pas de régner nos familles. Il a vécu à Nazareth, il sait de quoi il s'agit, il sait que c'est dans les familles que nous sommes épanouis, que nous grandissons, etc. Mais il nous demande que nous lui donnions la place qu'il faut, c'est-à-dire la première place dans nos vies, à tel point que nous devenions capables de porter nos croix, de souffrir avec lui, de porter nos croix, même quand la famille va contre nous, alors que nous soyons capables d'accueillir cette souffrance de la contradiction vis-à-vis des nôtres, en le suivant, en le préférant tout.
C'est en faisant cela que nous serons des témoins vivants du Christ Jésus. Demandons-lui la grâce de nous soutenir aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.